Bienvenue. Le mouvement Manteau. Ah, ça va, c'est censuré, non. Les jambes. Non, pas du tout. Non, c'est pas pour les jambes, c'est pour les épaules. Non, ça va, les chaud. Ça va? Oui, et j'espère que vous avez quand même apporté un petit manteau. Les soirées sont fraîches. Pour sortir. Élie Medeiros, quelles sont vos origines? Parce qu'on entend cette chanson-là, on entend Toi, mon toi. C'est des chansons qui nous disent quelque chose tout de suite. Et là, on vous identifie finalement, parce que c'est votre premier voyage. Oui, c'est la première fois. Vos origines, quelles sont-elles? Je suis née en Uruguay. Ouais. Et j'ai vécu donc d'abord en Uruguay, puis à Buenos Aires en Argentine, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, je ne me suis pas envolée parce que j'ai pris le bateau, je suis partie pour l'Europe, j'étais à Paris. Et depuis. Est-ce que déjà vous faisiez de la musique à 15 ans? Non, je dansais tout le temps. Ouais. J'aimais bien chanter, mais pour moi, sur mes disques ou sur les chansons qui passaient à la radio, mais c'était vraiment. Je ne pensais pas que j'allais faire carrière dans la musique. Quand vous êtes arrivée en Europe, est-ce que vous parliez français? Pas du tout, non. Pas un mot de français. Et vous vous êtes débrouillée comme... Vous étiez avec la famille ou vous étiez toute seule? Non, j'étais avec mes parents. Avec les parents. Et j'ai appris le français, j'ai pris des cours avec, avec une dame qui était très gentille, qui m'a donné des cours pendant 3 mois pour que je puisse rentrer au lycée avec, avec les Français. Ce disque-là, est-ce que c'est le premier? C'est le premier que je fais sous mon nom. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je fais de la musique, ça fait 10 ans que je fais de la musique maintenant. Et sous quel autre nom vous avez-t-on alors, connu? Au début, c'était dans un groupe de rock qui s'appelait les Stinky Toys. Les Stinky Toys? Oui. Et c'était quelle sorte de rock? C'était du rock qui faisait beaucoup de bruit. Du punk? Oui, enfin c'était à cette époque-là. Vous, punk? Mais j'étais pareil que maintenant. Ah oui? Oui. Enfin, j'avais un peu plus de... Non? Un peu plus de breloques, peut-être? Non, mini-jupe aussi, pareil. Ah oui, la même chose. Enfin, c'était en même temps, mais j'étais pas du tout avec les cheveux comme ça et des épingles de d'autres couleurs? Non, j'ai toujours eu ma vraie couleur. Ensuite, ça a été quoi après les Stinky Toys? Après, c'était un duo avec Jacques No, qui était un Stinky Toys aussi. On a fait un duo qui s'appelait Élie et Jacques No. On a fait plusieurs albums ensemble. Et le dernier, c'était la musique du film d'Éric Rohmer qui s'appelle Les Nuits de la Pleine Lune. Ouais. Qui est un film très très beau dans lequel il y avait Pascal Ogier. Mais vous n'êtes pas qu'interprète de chansons. On me dit que vous êtes surtout, et vous êtes aussi beaucoup musicienne. Vous n'êtes pas surtout, mais beaucoup musicienne. Oui, c'est-à-dire que je me considère au départ comme quelqu'un qui fait de la musique, pas quelqu'un qui chante, enfin pas une interprète. C'est-à-dire que moi, ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir faire mes chansons. C'est-à-dire que en général, je fais les paroles, je fais très souvent les musiques en collaboration avec les musiciens qui travaillent avec moi, Ramon Chomata, et aussi ceux qui font les cuivres. Enfin, c'est des musiciens qui viennent un peu de plein d'horizons différents, qui ont eu des trajectoires différentes que la mienne. Et bon, pour moi, c'est très, très intéressant de travailler avec eux. Mais c'est vraiment ma musique, quoi. Eux, ils sont complètement rentrés dans mon univers et j'ai l'impression qu'ils m'aident un peu à sortir. Enfin, un peu. Ma musique, c'est un peu un mélange de tout ce que j'écoute depuis que je suis toute petite. Oui, et les origines aussi. Oui, donc il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de. Savez-vous, deux choses. Une où j'ai été très étonné, c'est d'apprendre que vous aviez 2 enfants. J'ai été très étonné. Pourquoi? J'ai pas une tête à avoir des enfants. Vous faites toute jeune. Bah, j'ai 31 ans. Bon, c'est tout jeune. Bah, et Calypso, c'est votre fille, elle a quel âge? Calypso, elle va avoir 5 ans en décembre. Et puis j'ai un petit qui a 4 mois qui s'appelle César. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Oui, ça va être encore. Comment tient le diamant? Oui, oui, c'est... Originalement, c'était une pierre. Maintenant, elle est précieuse. Comment elle tient, là? Alors, on me demande toujours, est-ce que c'est un vrai diamant? Je dis toujours, c'est pas un vrai diamant. C'est pas un faux diamant non plus. C'est pas un vrai diamant. C'est un vrai cristal. Oui. Alors, il tient avec une colle spéciale. C'est une pierre précieuse. Elle est précieuse pour moi, oui. Tiens. Vous êtes ici pour combien de temps? Oh, pour pas longtemps, malheureusement, je repars samedi. Samedi, c'est très court. Bon, vous êtes une belle semaine, un beau séjour, de belles découvertes chez nous, il y a de belles choses à voir. Bah, j'espère que je pourrai revenir parce que là, bon, je viens vous voir, n'est-ce pas? Et puis on fait 2 concerts demain à Montréal, jeudi au à Québec. Spectrum, c'est ça? Et jeudi à Québec, et malheureusement, je repars samedi, mais je reviendrai plus longtemps la prochaine fois. J'espère. Élie Medeiros, merci beaucoup.